vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Back to School, c'est la première sur ma chaîne. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. C'est en collaboration avec ma copine Amanda Ainsworth. Je vous l'ai dit juste avant, elle a fait une vidéo totalement différente de la mienne. Ça vous permettra d'avoir d'autres idées, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et à lui dire en commentaire que vous êtes venu de ma part et lui mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. De toute façon, c'est une copine maintenant, on a fait pas mal de choses et on vous réserve encore quelque chose qui va être trop bien, restez connectés. Bref, on commence tout de suite avec plein de petits achats que j'ai fait. Du coup, c'est vraiment des petits achats tout petit prix parce que je sais que souvent les fournitures scolaires c'est ultra cher et souvent on n'a pas un budget extensible, surtout quand on est vraiment un peu, enfin, je sais pas, en primaire ou au collège, c'est des fois les parents qui achètent, etc. pour nous. Et là, franchement, c'est des trop bons plans. C'est des bons plans de chez Action. Je sais que chez Emma il y a plein de choses aussi adorables et vraiment, vraiment pas cher, donc foncez. Donc, je vous montre tout ça. Premièrement, il y a deux petits trucs plutôt agenda, organisateur, etc. Il y a un petit disc planner, vous savez, c'est ultra connu grâce aux youtubeuses, mais c'est aussi super pratique pour la scolarité ou pour le travail même, puisque vous pouvez mettre vos rendez-vous, vous pouvez mettre vos, je sais pas, vos devoirs, etc. Et en fait, c'est organisé par semaine et il y a aussi des petites to-do list, donc des petites notes, etc. à la fin, et c'est juste trop beau. Regardez, pour mettre sur votre bureau, c'est magnifique. Il y avait plein de dessins différents, des plus colorés, etc. Et c'était tout petit prix puisque c'était 1,50€. Il y avait aussi des petits agendas scolaires puisque évidemment c'est le truc qui coûte en général super cher. Moi je me souviens que ma mère voulait pas m'acheter certains parce qu'ils étaient vraiment trop chers. C'est vrai que ça pouvait aller jusqu'à 20-30€, c'est juste une folie. Je sais qu'on le garde toute l'année mais bon, quand même. Celui-ci c'est un petit agenda Action, regardez, il est trop beau, il y avait plein de couleurs différentes. Et en plus il est amovible, vous pouvez bouger tout ça, il y a la petite spirale, etc. Enfin bref, c'est trop bien, vous avez, regardez, c'est trop beau. C'est trop bien et c'était super pas cher parce que, donc du coup vous avez tous les jours hein, comme tous, il y a un petit bonbon que vous pouvez enlever, etc. Et c'était 1,99€ s'il vous plaît, ça coûte 2€ ça, 2€, alors que des fois on achète ça, moi je me souviens d'avoir mis des quinzaines d'euros dans des agendas que je perdais au milieu d'année, ouais, moi j'étais comme ça. Ensuite, ça c'était vraiment trop mignon, j'étais obligée de l'acheter pour vous le montrer. Ça coûte 75 centimes les gars, 75 centimes. À l'intérieur vous avez tout, en plus vous avez le petit étui, donc moi je trouve ça super pratique, genre tu glisses ça dans ton sac, c'est trop pratique. Moi je sais que des fois j'avais des journées, des toutes petites journées, j'emmenais pas mon gros sac de cours avec ma grosse trousse, etc. Donc ça peut être trop pratique. Vous avez tout simplement deux crayons papier, une gomme, un tel crayon, deux stylos et une petite règle. Bref, il y a tout pour moins d'un euro les gars, moins d'un euro. Toujours en organisation, je sais pas si vous êtes très organisé, mais moi je sais que je n'étais pas vraiment, je mélangeais tous mes cours et j'avais ça pour mettre, vous savez, qui ressortait pour montrer, oui t'en es là Justine, etc. J'étais vraiment une catastrophe, moi je suis pas du tout organisée, que ce soit dans ma vie ou dans mes cours. Bref, il y a ça qui peut trop vous servir et ça coûte que dalle. C'est des petits post-it comme ceci, donc déjà ils sont trop mignons. Regardez ceux-là avec des petits cœurs, c'est marqué affaire, love, etc. Enfin bref, ça m'a coûté 55 centimes, donc que dalle, il y en a énormément, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et il y a des petits carnets comme ceci en plus que vous pouvez glisser dans votre sac. Et il y a des gros post-it, des plus petits, etc. C'est trop mignon. Ça en plus c'est trop joli. Ça coûte 75 centimes, donc encore moins d'un euro. Et c'est trop pratique. Regardez, les tout minuscules, ils sont trop mignons. Et pour écrire, parce que moi je sais que j'adorais écrire dans les agendas, dans les cahiers et tout de mes copines, ou dessiner, je faisais ça à longueur de temps. Et bah vous pouvez utiliser ça, éviter de gaspiller des feuilles ou éviter de tout simplement noircir le cahier de vos copines. Ensuite on va passer aux vraies fournitures. Donc il y avait des petits cahiers adorables. Est-ce que vous avez déjà vu des cahiers aussi adorables? Franchement moi j'avais que des cahiers moches de couleur ou même blanc, pas joli du tout. Et ça c'est trop adorable. Il y en a 4 petits à l'intérieur. Moi je sais que j'utilisais ça comme brouillon, etc. Enfin on avait, vous savez, à chaque fois il fallait les bonnes lignes, les bons carreaux, etc. Enfin bref, c'était un petit peu chiant, mais bref, ça c'est trop mignon. Et les 4, s'il vous plaît, ils étaient à 99 centimes, 1€. Ça c'est trop le bon plan et ils sont trop jolis, il y avait plein d'effets différents, même pour les gars, donc trop beau. Ensuite, autre petit cahier, regardez, il est trop beau avec une grosse spirale, je trouve ça trop pratique. C'est de la même gamme que l'agenda, il y avait vraiment plein de choses, il y avait des petits carnets, etc. Enfin, vous pouvez tout trouver. Et ça c'était tout petit prix, c'était 1,26€ il me semble, ou 1,50€, enfin bref, moins de 2€. Et il y a aussi des petits intercalaires, vous voyez, enfin c'est vraiment trop mignon. Et là vous pouvez mettre vos petits autocollants cœur, etc. qui sont trop mignons. Et ça franchement c'est trop beau, nous on avait des trucs tellement moches à mon époque que ça sautait dessus.
Et enfin, il y avait des choses adorables. Moi, j'ai pris que les chemises comme ceci qui coûtaient 75 centimes. Et vous avez aussi les classeurs de la même gamme. Il y en avait même avec des flamants roses, etc. Enfin, trop, trop beau. Regardez, elles sont vraiment canon. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris celle avec les petits triangles, les petits points et les petites lignes. Mais il y avait les flamants roses, il y avait des étoiles, etc. Il y avait plein, plein, plein de choses. Et ça, c'est trop pratique. Moi, je mets mes papiers dedans ou pour emmener des papiers, c'est trop pratique. Et il y avait bien évidemment des choses pour couvrir le livre, etc. Enfin, c'était vraiment trop, trop beau. Et toujours moins de 2, voire moins d'un euro. Donc, foncez. Après ce petit haul, je vous ai prévu des petites DIY, des choses très simples à faire qu'on a en général déjà chez nous. Donc on peut customiser tout simplement les cahiers, les classeurs, etc. avec tout ça pour la rentrée, pour le back to school. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je vous laisse du coup avec les petits DIY. On passe tout de suite au DIY. Donc pour le premier DIY, on va faire un crayon pailleté. Je suppose que vous avez tous eu ce crayon Big Crystal qui est juste trop moche. On en avait plein de toutes les couleurs et c'est juste horrible. En plus ils se cassent, ils sont pas beaux. Enfin bref, on va les customiser ensemble. On va faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc premièrement, je vais venir enlever tout simplement l'encre, donc la mine qui s'enlève très très facilement. Vous avez juste à tirer un petit peu. Je vais mettre de la colle, moi je n'avais pas de colle liquide donc j'ai utilisé du vernis, sachez que c'est possible. Et je vais venir mettre des petites paillettes à l'intérieur, donc j'ai créé un petit entonnoir en fait avec du papier, vous l'enroulez, vous mettez un petit bout de scotch et c'est fait. Vous tapotez bien, vous venez un petit peu secouer votre crayon pour qu'il y ait des petites paillettes un petit peu partout. Et vous enlevez surplus en tapotant un petit peu, bref, vous pouvez utiliser n'importe quelle paillette, des petites paillettes vraiment pas chères que vous trouvez chez Action. On remet l'encre et voilà le résultat. Avouez que c'est super super joli et vraiment très simple. Vous pouvez le faire très facilement avec plein d'autres stylos. Pour le deuxième DIY, on va faire un cahier ou un agenda qui déchire. On va customiser notre agenda. Donc vous voyez le petit agenda que je vous ai montré de chez Action à 2€. Il a un arrière pas très très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, en fait j'ai créé des petits triangles comme ceci de 5 cm. J'ai découpé plein plein de petites choses différentes et je les ai collés d'une manière plutôt symétrique. Enfin voilà, vous les collez comme vous voulez. Vous pouvez faire des petits ronds, des petits carrés. Vous faites ce que vous voulez. Il suffit tout juste de faire des petites choses comme ça, de les coller comme vous souhaitez. En plus c'est bien parce que tu choisis ton thème. Là j'ai choisi que des choses roses ou des petits ananas, des flamants roses, etc. Tu choisis ce que tu veux, tu peux même mettre des paillettes, faire ce que tu veux, c'est trop beau et avouez c'est super canon. Et à la fin bien évidemment je découpe un petit peu les bords pour que ce soit plus net et plus joli, mais franchement c'est trop trop beau, ça ne coûte strictement rien. Et au pire, si tu ne peux pas imprimer, tu découpes dans des magazines ou ce que tu as déjà chez toi. Le troisième DIY, on va faire une gomme trop mignonne qui va du coup avec notre petit agenda. Donc cette gomme-ci que je vous ai présentée dans le petit lot à 75 centimes Action est très jolie, mais j'ai décidé de la customiser. Donc je vais mettre un petit peu de ruban pailleté comme ceci autour, petit ruban pareil qui vient de chez Action que j'ai payé 75 centimes les 3. C'est trop beau et ça coûte vraiment pas cher, vous pouvez en trouver maintenant partout. Et j'ai décidé de mettre des petits yeux et un petit nez de cochon, vous pouvez trouver ça très facilement sur internet, mais vous pouvez coller tout et n'importe quoi ou juste lester en glitter, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose dessus, mais je trouve ça plutôt fun. Je mets un peu de colle chaude avec le pistolet à colle parce que comme ça je trouve que ça colle mieux et c'est plus joli. Regardez, c'est vraiment trop adorable. Et pour le dernier DIY, on va customiser aussi des petits trombones parce que les trombones c'est trop moche. J'ai aussi utilisé des choses que j'ai achetées chez Action, donc c'est les petits stickers comme ceci. Donc je vais utiliser les petites étoiles, donc je les découpe tout simplement. Après vous pouvez utiliser des choses que vous avez déjà chez vous, des choses qui sont dures, des choses même que vous dessinez vous-même, vous faites ce que vous voulez. Et je viens tout simplement les coller avec de la colle chaude, plutôt la colle chaude parce que comme ça ça tient mieux. Et j'ai mis de la colle chaude derrière pour que ce soit vraiment plus rigide et éviter que le papier se déchire tout simplement. Et voilà ce que ça donne, je trouve que c'est beaucoup plus joli parce que les trombones, hein, faut se le dire, c'est vraiment très très laid. Voilà pour cette vidéo Back to School, j'espère sincèrement que cette première sur ma chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et puis à vous abonner pour suivre. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos Back to School, là c'était vraiment un essai pour voir si ça vous plaît. J'espère en tout cas que c'est le cas et n'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo d'Amandine. Comme je vous l'ai dit, de toute façon tout ça sera dans le petit i et en barre d'infos. Moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.